Rien ne prouve la mort de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia, reste jusqu'ici introuvable. C'est l'information rendue publique ce jour dans un communiqué officiel par Mgr Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala et par ailleurs président de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun. Je dis bien qu'il est porté disparu parce que jusqu'à présent, on n'est sûr d'aucun élément. On ne peut pas dire qu'il est mort. L'archevêque métropolitain de Douala indique que les éléments retrouvés sur le pont d'Ebebda ne mènent à aucune conclusion. Il est sorti de lui. Il y a quelques éléments qui sont certains. Il est sorti de lui donc hier soir, on dit autour de, selon les informations, autour de 23 heures. Puis, on n'a plus eu trace de lui. Sauf qu'on a retrouvé seulement le véhicule sur le pont de Debta. Donc ce ne sont que ces éléments-là que nous avons aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas, avancer quelque idée, quoi que ce soit. Nous, pour le moment, nous arrêtons à ce niveau-là. Dans le même communiqué, Mgr Samuel Cléda invite les chrétiens catholiques et les âmes de bonne volonté à rester dans la prière. Nous demandons aux chrétiens de rester en prière, de garder leur calme, d'attendre. Depuis mardi soir, Mgr Jean-Marie Benoît Bala, évêque de Bafia, en même temps président pour le Conseil économique de la Conférence épiscopale nationale du Cameroun, est porté disparu. Les recherches se poursuivent.